Cette voiture entièrement électrique circule dans les rues de Montréal depuis le mois d'août 2011. Pour le moment, Communauto en compte 25 de ces voitures électriques et devrait bientôt doubler le parc automobile de ce service de partage. Une façon économique et écologique de se servir d'une voiture, comme pour faire ses courses. En général, une voiture est sous-utilisée. Une voiture roule environ 10% de sa vie utile. Ce qui fait que, d'un point de vue théorique, on sait qu'on peut répondre aux besoins de mobilité de la population avec beaucoup moins de véhicules que ce qu'on retrouve présentement sur les rues. Donc, l'autopartage, c'est une façon pour nous de rationaliser l'usage de l'automobile. Pour s'inscrire, rien de plus simple. Cela peut se faire en ligne ou en personne. Des frais de 500 $ remboursables sont demandés pour le droit d'adhésion ou plusieurs forfaits sont proposés aux membres pour profiter des meilleurs tarifs horaires. Une fois inscrit, l'adhérent peut réserver son automobile par Internet ou par téléphone. Une fois réservé, il ne restera plus qu'à aller récupérer le véhicule à la station qu'il aura choisi. Une fois l'utilisation terminée, il devra le rapporter à l'heure convenue et à l'endroit où il l'a prise. Une façon simple et économique d'avoir une voiture à sa disposition. Les utilisateurs des transports en commun et des Bixi, système de vélo en libre service, disposent de rabais exclusifs. Communauto est le plus ancien service d'autopartage en Amérique du Nord. Plus de 300 points de service sont disponibles entre les villes de Québec, Gatineau, Sherbrooke, Montréal et Halifax depuis peu. Le 11 septembre 2012, Communauto a dépassé l'Atlantique. L'entreprise a acquis la société Mobizen à Paris.